Bonjour tout le monde. Ça va être assez compliqué de passer après Claire puis l'oiseau. Donc, je me joins à Claire aussi pour remercier le professeur Bernard Arménie donc pour cette invitation qui nous honore tous les deux. Je me rejoins aussi à Claire pour remercier le professeur Marc Villemet et tous les responsables donc, du Collège Belgique. Voilà donc le titre de cette présentation, « Perturbation du contrôle spatio-temporel » en parole. J'aurais pu ajouter « parole et voix ». Donc, on va donner des exemples de la voix ou de la parole normale opposée à la parole dite pathologique. C'est un travail qui est réalisé en équipe avec des collègues à Strasbourg, des doctorants, des post-doctorants et des collègues permanents. Et puis nous avons aussi intégré récemment des Master 2 que nous appelons les moissons du futur. Nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres structures de recherche en France et ailleurs. Donc en France, donc avec des chercheurs de Grenoble, du Lauréat à Nancy, du Praxilingue à Montpellier et puis des centres hospitaliers universitaires pour toutes nos données pathologiques. Voilà, donc le plan. Habituellement, je donne un plan que je ne suis pas. J'ai essayé de suivre le plan. Donc, je parlerai de la nécessité de perturber un système linguistique. Pourquoi est-ce qu'on perturbe nos systèmes? On parlera de sources majeures de la perturbation, des effets de la perturbation, et puis on se servira de données expérimentales. Je ne vais pas trop m'attarder sur les données trop techniques, mais c'est pour essayer donc de justifier donc, et d'expliciter les effets de la perturbation. Il sera question de nature des changements compensatoires, et puis, comme l'a dit Claire aussi, le système de linguistique est un système élastique ou plastique, tout comme la voix. Et il y a des cas, surtout en parole pathologique sévère, où on constate, on assiste à la désintégration du système linguistique, c'est-à-dire que ce n'est plus viable, on ne se comprend plus, et ça pourrait poser problème. Mais avant tout ça, donc, juste pour signaler qu'on utilise le paradigme des perturbations et des réajustements, qui nous aide à mettre au jour des stratégies de compensation. Et puis, on suit aussi tous les procédés donc, de récupération à l'aide de la rééducation orthophonique ou par des stratégies que le patient met en place seul. Voilà. Donc, nous avons des ressources à l'ER, équipe de recherche parole et cognition, et à l'Institut phonétique de Strasbourg. Nous avons donc des données sur la parole pathologique qui servent en général de données de référence et nous continuons à collecter des données sur la parole pathologique. Donc parole normale et parole pathologique. Alors nous avons donc une base de données cinéradiographique, c'est-à-dire on ne peut plus acquérir des données cinéradiographiques à cause des rayons X, mais nous avons pu collecter ces données jusqu'aux années 90 et donc ça représente la base de données. Donc ce sont des données qui montrent le mouvement des structures articulatoires synchronisées avec le signal acoustique. Voilà, et ce pour de nombreuses langues, chaque langue traitant d'une problématique linguistique définie. Et donc nous collectons des données pathologiques donc sur le bégaiement, les fentes labio-palatines et les paralysies récurrentielles. J'ai mis en bleu des exemples que je vais présenter aujourd'hui. Nous avons aussi des données sur les non-voyants et des sourds profonds et des aphasiques ainsi que des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, etc. Voilà. Voilà. Donc nous posons que notre compréhension de l'organisation spatio-temporelle de la parole, spatio-temporelle c'était les gestes articulatoires en fonction du temps, saine, devrait permettre de définir convenablement des cibles, c'est-à-dire ce qu'il faut atteindre, des cibles articulatoires, c'est ce que je suis en train de faire, et acoustique, c'est ce que grâce à mes cibles articulatoires, vous arrivez à entendre les catégories linguistiques, les sons et les catégories linguistiques. Et puis donc, si on comprend bien
l'organisation spatio-temporelle de la parole saine, on pourra donc mieux évaluer des productions pathologiques déviantes de ces sortes de références. Et puis, donc, nous sommes aussi attentifs à comment contribuer à la qualité de vie des patients. Alors, donc, on suit le plan. Donc, de la nécessité de perturber un système linguistique. Pour nous, il s'agit d'observer son fonctionnement dans des conditions difficiles. Hein, c'est-à-dire, donc, tant qu'un système fonctionne très bien, on n'arrive pas à bien déceler les mécanismes qui sont sous-jacents à son fonctionnement. Mais lorsqu'on perturbe le système, donc, on va voir quelles sont les composantes qui résistent, quelles sont les composantes qui sont plus fragiles. Donc, évaluer de cette manière sa robustesse et sa fragilité. Si Claire a parlé beaucoup d'acoustique et d'audition, je parlerai davantage d'articulatoire et de physiologie. Et puis donc, on va aussi étudier les trajectoires et les formes éventuelles que vont suivre toutes ces structures qu'on va déceler. Alors donc, les sources majeures de la perturbation. Donc, ces perturbations peuvent provenir donc de l'environnement. Donc, on dit que c'est l'environnement externe. C'est le cas, par exemple, du travailleur donc, qui utilise le marteau-piqueur et qui fait un bruit, beaucoup de bruit. Et donc, dans ce cas, on est obligé, le locuteur est obligé de parler plus fort, augmenter l'amplitude de la voix hein, pour se faire comprendre. Ou si on est près d'un avion qui va décoller, ou encore dans la cour, donc, lors de la récréation. Donc ça, ce sont des bruits ou des environnements bruitiers, et on parle donc de sources externes. Une autre source externe, c'est l'introduction d'un corps étranger, hein, dans la cavité buccale, par exemple. Hein, on voit ici, je ne sais plus comment il s'appelle. Pardon ? Très, très bien. Voilà, donc, il y a la pipe entre les dents. Donc, il a la mandibule bloquée, mais il continue à parler quand même, comme je fais maintenant. Je continue à me faire comprendre alors que la mandibule est bloquée. Donc, je bloque la mandibule, qui est quand même la porteuse de la masse de la langue et tout ça. Mais il y aura donc une action majorée de la langue pour compenser. Hein, et c'est de cette manière que je vais me faire comprendre. Donc, c'est byte block ou pipe speech qui est plus proche de nous. Donc, une autre source externe, c'est suite à des reconstructions après des pathologies plus ou moins graves. Ici, donc, c'est des pauses glossectomisées, c'est-à-dire donc des personnes qui ont subi une ablation totale ou partielle de la langue, parfois de la langue et de la mandibule. Et il y a reconstruction après. Donc la reconstruction correspond à l'introduction d'une perturbation externe. Idem pour la division labio-palatine chez les enfants. Après reconstruction, donc les sujets vont essayer d'apprendre de nouvelles stratégies pour se faire comprendre. Voilà, donc, mais les perturbations peuvent provenir donc, du système lui-même. Hein, c'est-à-dire ce n'est plus externe. Et c'est le cas donc, de la vitesse d'élocution. La vitesse d'élocution, donc ici. Merci pour l'invitation. Donc c'est merci pour l'invitation que dit la locutrice. Là, c'est la vitesse d'élocution normale, c'est-à-dire ce que Claire a appelé le débit. Et on voit le signal acoustique ici. Hein, donc Bernard Arménie avait présenté ces signaux la dernière fois. Donc on a le signal acoustique et en bas, donc on a le spectrogramme. Et on a en bleu ici, donc. Tout ce qui est la fréquence fondamentale, et puis on ne voit pas l'intensité ici. Bref, donc lorsque j'augmente la vitesse d'élocution et je parle un peu plus vite, je vais comprimer le signal, hein, puisque le signal est élastique, et donc c'est une sorte de perturbation, mais qui provient du locuteur ou de la locutrice elle-même. Merci pour l'invitation. Voilà, j'ai comprimé donc de moitié. Hein, et ça va avoir des incidences donc, sur les segments vocalique, consonantique. Hein. Voilà. Donc, je peux, le locuteur ou la locutrice peut parler normalement. Merci pour l'invitation. Et là, on voit donc ici, en bleu, le F0, et en bas, en jaune, on voit à peine, donc c'est l'intensité.
Et lorsque la personne va crier, vous voyez ici, donc, vous allez avoir en jaune une augmentation de l'intensité, de l'amplitude de la voix. Donc, c'est une sorte de perturbation donc, qui provient du système. Merci pour l'invitation. Voilà, donc, c'est une perturbation. Merci pour l'invitation. Qui provient du système lui-même. Et là, donc, c'est... l'enregistrement est très faible, mais la personne chuchote et on n'entend pratiquement rien. Donc les lignes, la fréquence fondamentale que vous voyez ici et l'intensité ont disparu puisqu'il n'y a pas l'activité glottique, comme l'a montré Claire et comme l'a expliqué Bernard la semaine dernière. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du larynx ici, au niveau de l'oreille, il n'y a plus d'activité. Voilà, donc ici on a un sujet normal qui va prononcer la phrase suivante. Je suis content de rentrer chez moi car je suis hospitalisé depuis jeudi dernier. Je suis content de rentrer chez moi, car je suis hospitalisé depuis jeudi dernier. Et le sujet bug, donc, qui augmentera l'amplitude, parce qu'il y a un peu plus de difficulté à réaliser les transitions. Je suis content de rentrer chez moi, car je suis hospitalisé depuis jeudi dernier. Alors, donc, inutile de dire que l'organisation spatio-temporelle du signal a été largement donc perturbée à cause de la pathologie. Donc, les effets de la perturbation, maintenant, on constate des changements compensatoires ou des réajustements suite à une perturbation. On va voir donc ce que ça provoque. Mais on souligne en même temps qu'on n'a pas d'un côté des sources externes et des sources internes de l'autre côté, qu'il y a une relation de co-implication ou de spécification mutuelle entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire, donc, si moi, aujourd'hui, je suis stressé, ça ne se voit pas, c'est parce que vous êtes présent, donc il y a une relation entre vous et moi. Et j'essaie d'articuler parce que vous exigez quand même que je parle clairement. Donc, vous exigez la clarté et moi, j'essaie de m'économiser. C'est-à-dire, donc, ce soir, je vais moins articuler que ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui est schématisé ici. Donc, il y a d'un côté... tout ce que le signal, le locuteur va mettre dans le signal, là c'est avant qu'il parle, et là c'est tout ce qu'il va mettre de manière intentionnelle dans le signal. Et là, donc ça c'est tout ce qui n'est pas très clair, si je parle comme ça, vous ne comprenez pas. Et là c'est si je parle trop, j'articule, et le locuteur va essayer de négocier avec l'auditeur pour rester dans une diagonale, donc de la diagonale idéale. C'est-à-dire ne pas trop surarticuler et ne pas trop sous-articuler. Donc c'est la relation de co-implication qu'on appelle donc le tug of war, c'est tir à la corde. Voilà, donc pour montrer tout ça, il nous faut des données expérimentales. Et le niveau sous-glottique, c'est-à-dire le niveau pulmonaire, sous la glotte, vous connaissez maintenant la glotte, c'est l'espace entre les plis vocaux ou les cordes vocales. Et le niveau glottique, c'est ici. Donc, le niveau sous-glottique, c'est au niveau pulmonaire. Cela a été présenté la dernière fois. Donc, les sons de la parole se produisent normalement lors de la phase d'expiration. Donc, je suis en train d'expirer. Et puis, après, j'inspire pour accumuler d'énergie et je continue à parler lors de la phase d'expiration. C'est le niveau, c'est la source de l'énergie. Et donc, pour ce faire, il nous faut des matériels d'observation. Donc, ici, c'est le respiratrice. On a le sujet qui porte un masque, condition idéale, normale, naturelle, écologique, et qui parle. Donc, et ça nous donne, on arrive à capter des données physiologiques, donc de pression d'air, de pression sous-glottique, etc. Et puis, on a aussi la sortie au niveau des fosses nasales, etc. C'est la même chose que la station EVA. Ce sont des stations donc, qui...
nous permet donc de collecter de telles données. Alors, le larynx, vous connaissez maintenant, hein, c'est, ici, ça a été vu, hein, donc ici, c'est les plis vocaux, ici, c'est le cricoïde, c'est ça, ou je me trompe, voilà, et puis là, c'est la glotte, entre les deux, voilà, les deux aryténoïdes qui bougent et qui permettent l'ouverture et la fermeture donc, de la glotte. Voilà, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu, hein, Claire expliquer en même temps donc, ce qui se passait. Là, on va essayer de voir ce qui se passe. Hein. Ici, donc, tiré de Dirkova et ses collègues, vous avez la paroi pharyngale ici. À gauche, c'est la schématisation. Et là, c'est la photo réelle, l'image réelle. Là, vous avez la base de la langue en rouge. La base de la langue. Et puis, ici, vous avez en vert l'épiglotte hein, qui bascule. Lorsque on est en train d'avaler un aliment, pour que ça rentre pas dans la trachée artère. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a les deux plis vocaux, les cordes vocales. Et puis, on va voir les aryténoïdes, les deux cartilages qui sont mobiles et qui permettent d'ouvrir et de fermer l'espace entre les plis vocaux, c'est-à-dire la glotte. Voilà, donc ici, pour schématiser, là, vous avez la glotte fermée et là, la glotte ouverte. Donc là, en gros, vous auriez la phonation. Donc, on va dire entre ici et là, on aura des sons que Claire a appelés peut-que, bedegue. Ce sont des sons dits sourds, peut-que, feu-se-che. Et le reste, en français, ils sont tous des sons sonores, c'est-à-dire toutes les voyelles. Et les autres sont consonnes, donc bedegue, menegne, veuzeje, etc. Donc c'est ce que vous avez ici en gros, ce sont pour les sons dits sourds, et là donc pour les sons sonores. Voilà, là donc c'est le matériel qui est utilisé, c'est soit la glottographe, où on met deux capteurs, deux électrodes, merci Bernard, ou bien on peut faire l'exploration par endoscopie, qui consiste à insérer donc, je crois que Bernard en a parlé il y a une semaine, une sonde dans les fosses nasales et à filmer donc, à explorer donc de la cavité nasale jusqu'à la paroi pharyngale. Il n'y a pas de son, donc on va voir ce qui se passe. Donc là, on rentre dans les fosses nasales et on est déjà dans le haut pharynx et on continue à descendre. On continue à descendre pour aller voir donc le larynx et les plis vocaux. On descend graduellement et on va apercevoir l'épiglotte ici. Et on a les deux plis vocaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Je te dis, ça vibre, si c'est pour un homme, ça vibre à environ 100 fois par seconde, hein, pour une femme à environ 250 fois. Mais c'est grâce au système stroboscopique où on règle la vitesse de la caméra sur la vitesse de déplacement des plis vocaux, donc ça ralentit l'image. Hein, et ce qui nous permet donc de voir ce qui se passe. Voilà. Donc, au niveau supraglottique, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les cavités. Hein. On a quitté le larynx, on monte dans les cavités, qui vont agir comme des résonateurs et qui vont donner, amplifier le son qui était faible à ce niveau. Et là, donc, nous, on va être attentifs à la modification de toutes ces cavités. Hein, c'est-à-dire, les modifications sont faites de manière précise pour produire les sons. Hein, des sons, et les sons vont constituer dans des contextes définis des phonèmes, ce qu'on appelle des phonèmes, et c'est là où la voix va faire du sens. Hein. Donc ça devient, ça a des fonctions linguistiques. Donc au niveau supraglottique, on a aussi des matériels d'observation. C'est la base de données cinéradiographiques, c'est l'IRM, des ultrasons hein, qu'on utilise aussi lorsque une dame attend un enfant, hein. C'est la même chose, mais là on va placer le capteur ici, et on va voir la le déplacement, la masse, la position de la masse linguale. Il y a aussi le système articulographe électromagnétique. Je vais vous montrer quelques-uns de ces systèmes. Là, ce sont des données cinéradiographiques hein, extraites de notre base de données de l'Institut phonétique de Strasbourg. Alors,
Aku, Iku, Uku, Atu, Itu, Utu. Alors, donc c'est grâce à un logiciel qu'on arrive à suivre le déplacement des structures. Hein. C'était fait en collaboration avec des chercheurs du Lauréat. Hein. C'est-à-dire c'est énormément d'investissement, de savoir. Aku, Iku, Uku, Atu, Itu, Utu. Donc on voit le profil, hein, le larynx, on voit l'épiglotte ici, on voit la voûte palatine, le pharynx, et puis lorsque ça se déplace, on va voir la langue. Aku, Iku, Uku, Atu, Itu, Utu. Voilà. Donc ces données sont importantes pour nous puisque on suit les trajectoires des articulateurs, mais on étudie aussi les formes. Hein. Donc ce sont des belles formes dans le conduit vocal qui sont en mouvement. Donc pour faire ça, il faut des logiciels de traitement qui ont été développés ici. Ça s'appelle X-Articulator. Et ça, donc, c'est la base de données qui est gratuite, hein, sur demande. Hein. Si, vous tapez Doc Vassim, hein, vous pourriez donc accéder à certaines de ces données. Voilà, ça, c'est le système articulographe, hein, tout à fait naturel aussi, où on a donc un système en plexiglas ici, puisque c'est le milieu est magnétique, où on a des émetteurs, je crois qu'il y en a 3 ou 4, qui émettent à des fréquences différentes, et ça crée un champ magnétique. Et le locuteur, on lui colle des bobines en aimant sur les différentes structures, la langue, le dos de la langue, la pointe, et tout ça, et on peut suivre l'évolution, hein, en temps réel, donc, de la production du locuteur. Et ça donne des choses comme ça. Ici, vous avez la masse de la langue. Là, vous avez les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Là, c'est la voûte palatine ou le palais, hein, palais dur et en arrière, le palais mou. Et là, vous avez la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire inférieure. Voilà. Et on peut suivre, donc, quelqu'un qui va produire un son. Si je dois trouver une chose, la chose la plus importante, c'est mon doudou. De quand j'étais petite. Voilà, donc ça c'est la locutrice qui parle, le lèvre qui bouge. Donc normalement la ligne noire reste statique puisque c'est le palais. La langue en rouge ici et la mandibule en bleu. Si je dois trouver une chose, la chose la plus importante, c'est mon doudou de quand j'étais petite. Voilà, donc on observe beaucoup de choses, hein, la position de lèvres, de contact avec la masse linguale. Le velum ici, hein, c'est ce qui, lorsqu'il y a une fente palatine postérieure, hein, unilatérale ou bilatérale, ça peut créer des problèmes donc d'étanchéité. Et c'est ça, ce qui provoque aussi parfois la voix nasillarde. Hein. Voilà. Et donc ici, c'est l'extrémité qu'on appelle la liette. D'où le titre de la communication et la chanson, La Liette. Et ici, vous avez le larynx et le geste de l'épiglotte. Voilà donc tout un ensemble de mesures qui nous intéressent. Et là, si on regarde, là, donc la position est en position I, vous voyez, I, U. Vous regardez les lèvres, U. I, U, etc. Donc, voilà, donc je passe là-dessus. Pour rationaliser toutes nos théories ou nos prises de position, donc il faut des mesures après avoir collecté les données. Et là, je vais vous proposer quelques mesures temporelles. Hein. C'est-à-dire, donc, nous sommes sur la dimension temporelle ici. Là, c'est une voyelle avec les vibrations, les harmoniques, c'est ça. Et là aussi, nous avons une autre voyelle. Là, nous avons un silence, hein, c'est-à-dire c'est la production de I, le A, là c'est le T. Hein, donc, le T, si je fais I pendant l'occlusion du T, il ne se passe rien, donc c'est un silence acoustique. Ce qui nous intéresse, on va se focaliser sur la durée d'une portion ici, qu'on appelle le VTT, hein, Velo
pas vélo tout terrain, mais voyage termination time, c'est le délai d'arrêt du voisin. Et là, il y a une autre mesure qui nous intéresse, c'est le VOT, c'est le délai d'établissement du voisin. Ce sont des mesures qui se situent à des transitions entre voyelles et consonnes, donc de la voyelle à la consonne ou de la consonne à la voyelle. Et on va voir donc ici en haut, par exemple, tout de suite que c'est un locuteur sain. Et là, nous avons un locuteur. Non, ça, pardon, c'est toujours un locuteur sain. Là, c'est un ita et là, c'est un ida. Là, nous avons donc la voyelle. Et le 2, c'est une voyelle, donc une consonne sonore, donc qui présente des vibrations continues. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est périodique ou assez périodique. Quoi. Alors que ici, il n'y a rien. Voilà, donc quelques résultats sur le contrôle intrasegmental, c'est-à-dire le VOT et le VTT, chez des locuteurs présentant une immobilité laryngée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait un problème ou des patientes qui avaient des problèmes de thyroïde, de la glande thyroïde qui a été enlevée, et le chirurgien, par inadvertance, a soit touché un des deux nerfs récurrents qui sont responsables donc de l'innervation de la mobilité des plis vocaux. Soit c'est un des nerfs qui est coupé, soit c'est juste le nerf est effleuré et ça provoque une sorte de paralysie d'un des plis vocaux, donc momentané. Enfin, ça peut être récupéré par la suite. Donc chez une patiente, hein, ici vous avez le VOT dans une transition AI, le VOT dans une transition IA. Pour ne pas vous embêter avec tout ça, ce qu'il faut voir ici, c'est en bleu. Ici, si on compare ici le locuteur de contrôle, on voit que ces données sont beaucoup moins élevées que la locutrice donc pathologique. Voilà. Donc si on compare les données ici de la locutrice de contrôle, ces données sont beaucoup plus... Il y a moins de variabilité, ce n'est pas toujours le cas, mais globalement moins de variabilité, et ces données sont plus proches, bien entendu, de ce qu'on atteste dans la littérature. Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de variabilité et un problème de contrôle du timing. Mais avec des séances post-op 2, c'est pas terrible, post-op 3, ça commence à ressembler à des données de la locutrice de contrôle, et post-op 3, donc, ça commence vraiment, vraiment, grâce à la récupération naturelle, spontanée, ou au traitement de orthophonique, donc, logopédique, la patiente donc, va réatteindre ses données initiales. C'est la même chose qu'on trouve dans la transition ITA. Là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit le contrôle du VTT chez les locuteurs présentant une immobilité laryngée. C'est-à-dire pour une séquence comme IBA, ça devait continuer, ça aurait dû continuer à vibrer, puisque c'est une consonne sonore. Or, ça vibre pendant un certain temps, puis ça s'arrête. Et ça reste, donc, puisqu'il y a une sorte de fatigue donc des plis vocaux. Là, donc, on va écouter ça. Ce sont des enfants porteurs de pente palatine qui ont des problèmes de contrôle, de coordination temporelle et de la qualité acoustique de la voix, c'est-à-dire au niveau du contrôle des cavités. Donc, c'est un problème de contrôle spatio-temporel. Et là, à gauche, ici, on va écouter la locutrice contrôle et à droite, la locutrice, donc porteur d'une fente palatine, qui va dire la guimauve. La guimauve. La guimauve. La limauve. La limauve. Et ici, donc, nous avons... L'Italie. 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 Voilà. L'Italie. On entend donc tous ces problèmes de contrôle du vélum pour fermer le port volopharyngal et les sons sont nasalisés. Voilà donc encore des exemples ici de quelqu'un, locuteur témoin qui réalise un I, là, un que, silence, c'est sourd, un A. Et l'autre, le Grégoire, donc locuteur dit pathologique, qui a un I et qui n'arrive pas à réaliser un silence. Et en plus, c'est bruité, le VOT. Donc tout ça pour montrer des déviances. Voilà.
Nous avons aussi, nous proposons aussi des mesures spatiales. Hein. Ici, là, vous commencez à connaître maintenant, c'est l'espace vocalique, hein, son origine. Là, c'est le conduit vocal que vous connaissez, hein, vu de profil. Et voilà notre triangle. Ici, c'est un triangle puisqu'on n'a représenté que trois voyelles, où le I est là parce que la masse de la langue vient vers l'avant. Donc on dit I, si je dis OU, la masse de la langue va vers l'arrière. Si je dis A, la masse de la langue va en bas et légèrement vers l'arrière puisque la mandibule est en position de rotation. Voilà, donc ça ce sont des... Ce triangle va nous aider donc comme point de référence pour voir comment on peut retrouver le triangle chez des patients. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'aperture. Hein. Parce que si j'ai fait I, E, E, A, ou I, E, E, A, ou U, O, O, A, voilà. Ou donc I, U, U, ça ce sont des voyelles de petite aperture, là c'est de grande aperture. Tout ça a été présenté avant. Et le lien d'articulation, c'est la position de la masse linguale qui va changer les cavités en avant ou en arrière. Ça, c'était pour donc, l'espace vocalique articulateur. Donc, il y a une correspondance à peu près entre cet espace vocalique et un espace acoustique. Ça, c'est des résonances donc, qu'on appelle le F1, le formant 1, formant 2, qui sont plus ou moins liés. Le F1 est plus ou moins lié à l'aperture et le F2 à la position de la masse linguale. Et là, donc, on voit les triangles vocaliques chez... un bleu, les locuteurs pathologiques, hein, et un rouge, ou un rouge, oui, à peu près, c'est le sujet sain. Ça, c'est des enfants qui ont des problèmes de fente palatine. Étant donné qu'ils ont des problèmes de réalisation des consonnes, ils surarticulent les voyelles. Hein. Donc, c'est en gros, c'est-à-dire, lorsque j'ai du mal à réaliser des consonnes, je vais me focaliser sur d'autres parties de la chaîne pour réaliser mes productions. Là, donc, c'est suite à un cancer. Il y a une opération qui consiste à enlever une partie ou la totalité de la langue en faisant remonter un lambeau immobile. Un lambeau qu'on prend quelque part ici sur le corps et on fait la reconstruction. Et donc là, aussi, on écoute... un mois après l'opération. C'est la même chose, hein, c'est le I. Allez-y. I. Voilà donc. I. Là, il se débrouillait pas mal, mais après, il y a une dégradation de la structure. Hein, et puis, le I, il n'y a pas de possibilité d'élévation correcte du I, et ça devient quelque chose comme un E. 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 Alors que c'est un I qui devait produire. E. Et donc, 5 mois après l'opération, là, donc, il retrouve ses capacités et ses stratégies propres à lui. Voilà. Voilà. Donc là, c'est son, l'espace vocalique que vous voyez ici pour un sujet témoin. Et là, c'est l'espace vocalique hein, pour tout de suite après l'opération. Et après, ça commence à prendre un peu de forme, mais ça se déploie. Ce n'est pas encore... canonique, c'est pas encore ce à quoi on devrait s'attendre. Quoi. Alors là, c'est pour des sujets bugs. Je vais aller vite là parce que je pense qu'il me reste plus que 5 minutes. Je vais vous montrer plutôt des films. Donc, ça, c'est. On a parlé de bugaiement, mais on va essayer de voir physiologiquement ce qui se passe. Là, c'est un locuteur contrôle. C'est bon, vas-y. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Locuteur qui bégaye. Allez-y, top. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles... casser leurs cordes, s'en aller dans la montagne, et là, le loup les mangeait. Donc on voit des crispations, des contractions au niveau de la base de la langue, au niveau des muscles du pharynx et du larynx, et puis des abductions trop prolongées, ou des abductions trop prolongées. Il faut...
se marier, toi. Ok. Voilà, donc ça c'est à peu près la même chose. Je vais juste voir si je peux vous montrer un autre film. Donc, ce que je viens de dire, hein, donc des contractions avec des, dans les cavités laryngées et les cavités pharyngales, la cavité pharyngale, des abductions prolongées, des plis vocaux. Donc, c'est des données, Emma, pour un sujet qui bégaye tout cela. Alors, ma série préférée, c'est... Scandale. Voilà. Donc, ça, c'était pour montrer des problèmes. Donc, là, on a la position de la masse linguale, la position de la mandibule. Et là, la personne va anticiper ici. Pour produire. Non, pardon, c'était avant la personne. La personne anticipe ici pour produire le A, alors que chez le sujet, l'anticipation ici pour produire le A, l'abaissement de la masse de la langue, l'abaissement de la mandibule, alors que chez le sujet pathologique, il n'y a pas de, d'anticipation. Ça arrive, hein, c'est une sorte de coarticulation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de mise en place. De tout ce qui est tout ce qui doit être programmé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Voilà, donc en gros, je vais vers la conclusion. Donc, pour dire que le système linguistique est assez élastique, assez plastique, et on peut schématiser cela de cette manière, comme ça, c'est comme si c'était une éponge, une structure molle. Hein. Il y a de la perturbation externe ou interne qui exerce des pressions sur cette structure, ça va provoquer des déformations ici ou là, mais in fine, avec la rééducation ou avec des stratégies que les sujets trouvent eux-mêmes, le système peut revenir pratiquement à sa forme initiale. Et c'est ainsi qu'on arrive à déterminer les bornes du système linguistique, voire au-delà de certaines limites, ce qui pourrait provoquer donc des confusions de catégories qui sont autour d'une cible, et puisque c'est les bornes de viabilité ici sont déterminées par d'autres éléments, d'autres consonnes, d'autres voyelles, et les consonnes et les voyelles sont décrites en termes de hertz, de millimètres, de fréquence fondamentale, de durée, etc. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.